tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je pensais passer une nuit tranquille sans moustiques. Alors j'ai passé une nuit tranquille sans moustiques, hein, les produits sont comme ça, très efficaces. Et par contre j'ai passé une nuit à faire que des cauchemars, que des cauchemars. Je me rappelle pas vraiment des cauchemars, c'est très flou, mais je sais que c'était une nuit hyper agitée, hyper angoissante. Je me suis réveillée vraiment avec la gorge serrée, quoi. La gorge serrée, la tête dans le brouillard, enfin pas du tout dans mon assiette. Et voilà, on a des périodes comme ça où on n'est pas... Moi, ça fait un petit moment là que je fais que réfléchir dans ma tête, que peser le pour et le contre, poser des questions sur ma vie, ce que je supporte, ce que je supporte pas, ce qui est bien pour moi, ce qui est moins bien. Je suis en mode comme ça en ce moment. Alors là, d'avoir passé une nuit comme ça, ça aide pas. Ça aide pas parce que du coup, bah, tu te réveilles et t'as vraiment pas envie de te lever de ton lit. T'as que envie de broyer du noir, genre. Vous voyez ces moods là, là. Tu broies que du noir, t'as pas envie d'aller de l'avant. Je vais me lever, faut que je fasse les pains au chocolat. Depuis le temps que je dois les faire. Je vais me lever, je vais faire les pains au chocolat, mais voilà, le mood n'est pas vraiment là aujourd'hui. Non mais je peux pas te croire, ça c'est mon placard où je range tous mes produits ménagers et tout ça. Et je vais pour ranger ça. Et je fouine un petit peu. Non mais s'il vous plaît. Je vais la mettre ce soir. Parce que du coup j'ai que les recharges encore, j'ai pas acheté la prise. Hein. Hier j'ai testé ça comme vous m'avez dit en brûlant les petits trucs bleus. Et le pchit. Mais j'avais pas de prise. J'en avais une dans le placard en fait. Pour en revenir au pain au chocolat, je vais faire deux tests. Je vais essayer avec les feuilles de pastilla, même si je pense pas du tout que ça va le faire, mais c'est pratique les feuilles de pastilla. En fait, j'ai l'habitude d'avoir ma pâte feuilletée comme ça. Moi, normalement, je la déroule, elle est aussi fine, elle est aussi souple, c'est hyper pratique, mais bon, ici, je la trouve que sous cette forme. Donc là, ça a l'air d'être mieux qu'hier déjà, parce que du coup, elle a décongelé, je pense. Vous voyez, elle est bien molle. Il va juste falloir la faire bien fine. Je vais voir, je vais tester et je vous montre, ok? J'ai bien réussi à l'aplatir. Elle est toute bien fine. J'ai rajouté un petit peu de farine parce que ça collait. Et j'ai fait avec ça parce que j'ai toujours pas de rouleau pour aplatir. Mais franchement, plutôt pas mal. Je suis contente. Je pose mon Kinder Maxi par là à peu près. Je vais vous montrer. Je viens couper ma pâte comme ceci. Hop! On va le mettre à peu près ici.
Donc je viens, je rabats ça. Allez, on va le rabattre comme ça. Et je viens mettre le deuxième avec une mince pas fastoche. Je viens mettre le deuxième. Voilà, il y a un petit écart là. Hop. Et je le passe par-dessus. Et je refais juste. Là, on est pas mal. Je pense que là, on est pas mal. Mais ma beauté, t'as cru que ça allait durer combien de temps, le rééquilibrage alimentaire? Moi, c'est des petites périodes où je fais ça. Hein. C'est de temps en temps, ça fait du bien à mon organisme. Mais sinon, je me fais plaisir quand je mange. Hein. Enfin, diète à vie, trop triste. Je vais essayer avec un Kinder Country aussi. Donc, je roule un coup. Kinder Country, ça doit être bon aussi. Mmh. Je prends tout et hop. On refait pas un tour supplémentaire comme sur l'autre. On va tester. Je teste différents. Comme ça, je saurai faire. Et la prochaine fois, je vous donnerai une vraie recette. On va voir. Mmh. Je pense que c'est mieux avec un peu moins de pâte. Genre. J'ai fait que ça avec Kinder Maxi, Kinder Contour. Pas très sûr. En fait, on est sur un bon début, mais il y a quelque chose qui cloche. On les goûte quand les pains au chocolat? Maintenant? Bon, alors, en termes de forme, je trouve que celui-ci est mieux. Je les ai beaucoup trop fait cuire. Hein. Je les ai beaucoup trop fait cuire. Mais ça a l'air pas si mauvais que ça. Faut voir, faut que je goûte. Mmh, on n'est pas loin, on n'est pas loin quand même. Hein. Si j'avais fait un peu moins cuire, peut-être que... J'ai déjà mangé entier le celui en Kinder Country, c'était trop bon. Kinder Maxi, très bon aussi. Donc c'est mieux de mettre plus de pâte, moins faire cuire. Mais sinon c'est pas mal. Mais j'ai vraiment pas fait des pains au chocolat. Super, merde. Trop bien. C'est trop beau les montagnes là-bas, je les avais jamais vues aussi bien. C'est magnifique. Waouh.
c'est un nouvel endroit que je fais. J'étais jamais venue ici alors que c'est vraiment pas loin de là où je fais mes ongles, mes cils, mes trucs. Et je me suis jamais garée. Parce qu'on est obligé de se garer au sous-sol public. Et j'ai dit, bah, je vais venir voir ce qui se passe aujourd'hui ici. Et je voulais surtout chez les dames. Donc voilà, c'est cool. Trop contente de ce que j'ai trouvé. J'ai pris un pyjama, des petites chaussettes comme ça pour la maison. Genre antidérapante. J'ai pris 2-3 trucs sympathiques. Je viens de voir qu'il y a Freddy Varius aussi. Il faut que je fasse vite parce que j'ai laissé la femme de ménage à la maison. Je ne voudrais pas qu'elle ait fini avant moi. Vous savez la femme de ménage que je vous ai dit la dernière fois que j'ai rencontrée chez le coiffeur qui faisait super bien les vitres. Bah là aujourd'hui elle est chez moi. Moi, je suis trop contente parce que pendant que la femme de ménage a fait la maison, moi j'ai vidé tout le frigo. J'ai tout sorti, j'ai tout désinfecté au vinaigre blanc. Et j'ai trop rangé.